Hey les gens, donc on se retrouve cette fois à Simon Trondel. Donc oui, j'ai un peu bougé depuis la dernière fois, hein, mais sinon c'était pas drôle. Du coup, on va pas à l'arène tout de suite parce que voilà pourquoi. Parce que Kecleon, c'est tout. Kecleon is a troll. Putain, je veux pas aller dans les autres. Ah, me suis fait agresser. T'es pas doué. Non, pas très. Y a Pierre. Je crois que c'est, il s'appelle comme ça, ce type. Ouais, je crois que c'est. Non, comme... c'est Steven. Putain, c'est. Oui, Steven, c'est en VO, mais en chez nous, je crois que c'est Pierre. Je crois que c'est Pierre chez nous. Chez nous, petit français. Ah, ça y est, c'est lui qui me donne le truc. Oui. Du coup, je me fight un Kecleon. Mais t'en as déjà un, non? Bah oui, mais je m'en fight un. Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est pour savoir si t'allais le capturer ou pas. Non. D'accord. Surtout que c'est pour que tu lui donnes des noms de merde. J'ai déjà assez donné. Lala. C'est rigolo. Lala, toi-même, non, mais c'est ouais. Rigolo. Tu vas voir. Tu es vraiment le malin. Fais trop le malin, là. Mais me fait chier ce Pokémon! Meurs! Bordel! Ça a l'air compliqué ton affaire. Mais meurs! Bah en fait, c'est limite trempette contre armure. Ah oui, d'accord. Parce que cette attaque n'affecte pas Kiba. Et morsure n'enlève presque rien à Kecleon. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est charge versus armure, quoi. C'est sympa. C'est ça, quoi. Du coup, niveau 23, Kiba. Bim. GG. Bon. Ah, il y a un Kecleon ici. Mais oui. Genre, mais il y en a des... Il y en a partout. Ah, mais il y en a partout. Hein. C'est genre la foire au Kecleon. Je vois ça. Oh, un Grayena. Faut aussi que je trouve une fucking pierre plante. Non, moi je m'en fous. Maintenant, je peux voir les Kecleon. Lol. Du coup, je me fight tous les Kecleon. Allez, motivation. Ah, bon, d'accord. Bon, bah, craque-moi est décédé. Non, mais t'es pas doué. Ah, confusion, quoi. Confusion. Bite. Bon. Non! Tu meurs pas maintenant, toi. Ah bah d'accord. Bah c'est pas le moment. Oh mais, il y a des Pokémon toutes les 30 secondes, c'est horrible. C'est mort. Ekiba. Ekiba décède. Oui, non mais c'est à cause de l'autre, là. Critical hit. Ah bah bim. Forcément, non, ça aide pas. On va passer... Moi, je le fais chier avec ces critical hit, hein. Normalement, il me semble que Evoli a Runaway. Donc, normalement, Runaway. Normalement, j'ai 100% de chance de pouvoir fuir les combats. Oui. Si t'as le talent, fuite. Et pas adaptabilité. Oui, c'est ce que j'ai. C'est runaway, c'est fuite. Non, mais c'est bon si t'as runaway. C'est ça. C'est runaway. Allez. Donc, on va aller en guérir parce que là, c'est un peu la crise, hein, du coup. Blablabla. Oui, tu as un Pokémon invisible. Ah merde, j'ai dit non. Mais moi, j'ai dit oui. Haha, tu t'es fini. Allez, l'Evenscope. Oui, Kecleon. Est-ce que j'essaye de le capturer? Moi, je vais pas capturer, perso. J'en ai déjà un, donc bon. Mais moi, j'en ai pas. Bordel de shitty niveau 30. Non, mais ça sert à rien. Enfin, je sais. J'en ai capturé 25, ils servent à rien, mais c'est pas grave. Je les aime bien quand même, tu vois. Ah, c'est ça. Oh non, sérieusement. Qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie? Non, il a fait pouvoir antique, et genre, avec pouvoir antique, tu as une certaine chance de pouvoir faire une augmentation de toutes tes statistiques. Et bien évidemment, bah, il a réussi. Sinon, c'est pas drôle. Bah ouais, du coup, là, il y a tout qui est boosté, c'est horrible. Il y a aucun challenge, sinon. Bah ouais, mais du coup, là, il va me faire grave mal. Hey. Yeah, critique. Attends, oh, t'as rien putain. Fait. Changement de Pokémon, je veux pas que Evoli meure. J'aime bien, c'est... C'est conceptuel.
Non, mais ce Pokémon. Kecleon, c'est. Je sais pas. Troll. Un coup, il te fait un truc super bien et tout. Et puis, un autre coup, il te fait un truc foireux. Tu comprends pas pourquoi. Ah non, mais moi, j'aime pas du tout ce Pokémon. Il est rigolo. C'est un troll. C'est comme Pijako. Pijako, c'est le Pokémon qui sert à rien, mais qui est fait. C'est tout. T'as des Pokémon comme ça, ils sont inutiles. Pijako avec Babil. Non, mais Pijako, c'est trop débarre ce Pokémon. J'ai vu sa tête, je l'aime. Il a une tête en note de musique. Non, mais il est super drôle ce Pokémon. Je sais pas. J'aime bien. C'est pas le Pokémon que je préfère, franchement. Ah, c'est pas mon Pokémon favori, mais. j'aime bien. Da fuck ? Qu'est-ce que t'as encore, toi ? Le jeu a un peu bugué, et en fait, quand Steven a disparu, je me suis retrouvé sur un Pokémon avec Surf. Bah, moi aussi, c'est pas grave. Oui, non, c'est mais j'ai toujours sur le pont. J'ai pas compris ce qui s'était passé. De toute façon, moi, je vais m'entraîner. Je l'ai battu, elle ? Ah bah oui, merde. Moi, je voulais m'entraîner. Ah, tu veux t'entraîner avant l'arène ? Un petit peu, ouais. Histoire 2, hein. Oui, bah oui, je me dis bien. Oh, Critical Hit, oh. Pas que tu dis pas, il est niveau 23, mais c'est un peu le cas. C'est un peu ça. Bon, tant pis. Sirius est mort. Il est décédé. J'avais oublié que je voulais pas qu'il meure. Tant pis. Oh, il a un tulton. Je suis jalouse. Rien ne t'empêche d'aller à l'autre. À l'autre bout de la terre pour avoir un tilton, tu sais. Hein. C'est ça. Non, mais je kiffe ce Pokémon. Chuchu. Ah là là. Non, mais arrête, en plus, un Altaria, c'est juste trop beau. Oui, avant qu'il méga évolue. Oh putain, c'est qu'une Nest Ball, fait chier. Oui, bah écoute, on peut pas avoir des méga évolutions trop badass de la mort qui tue tout le temps. Hein. Ah, concrètement, Drattax, sa méga évolution, elle est pourrie. Moi, celle qui m'a fait rire, c'est la méga évolution de Léviator. Une carpe. Ah ouais, il redevient une carpe, oh putain. Ouais, mais il régresse le truc. Mais tu oui, comprends pas c'est pourquoi ça. Il régresse. Mais il régresse. C'est ça. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu ça, ouais, quand même. Pauvre Léviator. Puis il gagne le type ténèbres, je crois. Je sais pas. Je sais plus, là. C'est dommage parce que du coup, il gagne une faiblesse, mais. Pourquoi je sens que la pierre plante elle est genre derrière ces trucs là, ça me fait chier. J'ai pas envie d'apprendre coupe à un Pokémon. Bah tu veux que j'aille chercher mon mangal? Attends d'abord je vais voir, il y a une grotte sous le pont, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais d'abord aller là-bas et après oui je veux bien ton mangal. Je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus non plus comment je vais l'appeler. Oh il y a des Azumarils dans le lac. Ouais mais on s'en fout. D'accord. Je sais pas, j'ai jamais kiffé les Azumarill, Marill et compagnie. Sinon, dans la grotte, il y a des Nosferatu, normal. Oh non, il fait chier, self destruct, il était obligé de faire ça. Ne meurs pas. Contre qui tu affrontes ? Qu'est-ce que ça affronte pour affronter un mec avec autodestruction ? Smogogo. Ah oui, d'accord. Smogogo, je veux dire. Pardon. Oui, enfin ça reste une mine quoi. Non mais le truc, allez, self-destruct, bim. Moi j'étais là en mode, non. Bâtard de merde. TM11, c'est quoi la 11e? Sunny Day. C'est Zénith. Très bien, j'ai Zénith. Ça me servira à rien, mais j'ai Zénith. C'est bon, au manga il aura gagné de l'expérience, contrairement à Kiba. Ouais non mais Kiba le pauvre il s'est fait self destruct dans la gueule. Non c'est la tristesse. Bah ça fait un peu mal sur le coup. T'as ton ingal sur toi? Non il est dans mon PC, si tu veux faut venir au centre Pokémon. J'arrive. Par contre, les niveaux 8, hein. C'est pas grave, trop... c'est juste le temps d'aller voir ce qu'il y a derrière les arbres qui y a coupe. Faut pas trop demander, hein. Oui, bah normal. Tiens, pendant ce temps-là, tu auras Lévi. T'es sérieux? Bah, on quoi va. Comme ça, t'as le coupe-lochet sur toi, c'est tout. Tum, tum, tum.
Bon, moi je me fight les enfants. Je me fight les enfants. Et moi je suis à la recherche désespérée d'une pierre plante. Et je sais même pas où on en trouve. Bah normalement on en a sur cette route là, mais quelque part. C'est ça. J'ai trouvé un super bonbon. Ah bah c'est bien. Mais je voudrais une pierre plante. Ça je sais pas du tout où on va en trouver une, c'est assez énervant. Mais regarde sur Pokébip ou Poképedia. Bah, ils disent que c'est sur la route 119. On y est. Bon, bah écoute, démerde-toi à partir de là. C'est un peu ça en fait l'idée. T'es où? Ah, t'es je suis en là. Train de me battre. D'accord. Bon, j'attends la fin de ton combat et puis je te rends ton ingal. Voilà, niveau 24. C'est bien Kiba. Il commence à rattraper les autres. Ah, tu viens de finir le combat. J'ai fait spectacle pour voir, mais. Attends, c'est bien Lévi ça. Putain, je sais même pas si je te rends Lévi ou Gagil. Oh là là. Tu verras bien. Mais tu vas venir, wesh. On va dire oui. Je sais pas qui je t'ai donné, hein, concrètement. Je vais dire ça. C'est bon, tu m'as rendu la mienne. Tu m'as rendu ma petite Lévi. Ça va alors. Ah, il y a une Pokéball là-bas. Faut que j'aille voir. Ninja. Ninja envoie Smogo. Faut faire attention, il explose ce con. Oh non non, mais le premier m'a explosé dans la gueule, le deuxième non. Ah moi il m'a fait sludge dans la tronche. Sludge deux fois. Petite fade. Ah. Ah il a lévitation. Ah bâtard. Bon bah Lévi. Lévitation, les attaques sales ne lui font rien. Bon, moi, je me fais tous les combats que je me suis pas fait, hein. Concrètement. Ah oui. Bah, t'as bien raison. Du coup, ça va être un peu long, on va pas faire l'arène tout de suite, hein. Ah, je pensais pas faire l'arène dans cet épisode, de toute façon, je voulais d'abord trouver la pierre plante. Oui, bah, courage à toi, hein. C'est un peu l'idée. Bon. Alors. Pourquoi il switch? Je comprends pas. Ah, oh, si je comprends mieux maintenant. Je sais pas pourquoi, il t'a mis un type fort face à toi. Non, c'est pas ça, c'est que Goelis a une défense de merde, bah Tropius, sa défense, elle est un peu plus costaud. Ah oui. Alors, elle est... je vais avoir besoin de surf apparemment. Et non, je ne triche pas, je regarde. Triche pas, le gars qui explique non non, je triche pas, c'est rien. J'ai déjà de toute façon regardé sur internet où avoir une pierre plante. Alors c'est un endroit où il faut surfer alors. Alors. Je sais pas vraiment où c'est en fait. C'est assez relou. En même temps, ça serait trop facile si tu le disais du premier coup. C'est hein. Ça. Putain, je crois qu'il est confus qui bat. Il faut chier. Fais chier. Morpheo, blablabla. Morpheo, blablabla, bravo. Pierre plante. Oui, non, mais d'accord. J'applaudis. Où est-ce que je peux l'avoir, ta fiche pierre plante? Mais ils vont pas te le dire. Hyper... Si. Descendez, puis surfez. Donc, ok, je suis au bon endroit. Je suis censé être au bon endroit. Je suis censé la trouver, hein, mais sait-on jamais dans le doute. Ouais, descendez puis surfez, vous trouverez une pierre plante. De l'huile. L'huile, je l'ai trouvée dans le dernier épisode, il me semble. Oh non, mais sérieusement. Quoi? Genre, je suis contre un tentacule, je ne peux pas fuir. En tout cas, magnifique, hein. Coucou, ami de moi. Coucou, ami de moi. Je fuis. Je te vois en train de surfer, en train de te battre tous les deux pas. Mais c'est insupportable. Très il y a très trop de tentacules dans cette rivière. Alors maintenant, question à la con. Est-ce que, du fait qu'il pleut, le nombre de Pokémon rencontrés est augmenté dans l'eau?
Je ne pense pas. Bah, je sais que sur Minecraft, t'as plus de chances d'avoir un poisson quand il pleut, alors je me dis, c'est peut-être la même chose. C'est pas sur Minecraft, là. Hein. Eh, y en a, ils piquent les idées bien quelque part. Hein. Bon, si je pouvais fuir, ça serait cool. Là, là. Allez, va-t'en. Grrr. Tant pis, je vais essayer de le battre du coup. Et il me fait chier avec son constrict à la con. Ah, il m'énerve. T'arrêtes de t'énerver là un peu. Sale gosse. Ah bah du coup, je l'ai one-shot. Alors, je devrais, ça devrait être dans le coin. Trop de tentacules, c'est non, mais les... de toute façon, c'est horrible quand tu fais surf. Hein. Ah oui, non. Je pense qu'à partir de la prochaine, à partir de Simultronel, je vais acheter des repousses, hein, parce que là, concrètement, j'en peux plus. Ah, et puis il m'a confus, hein. Bah sinon, c'est pas drôle. Il m'a confusé, le bâtard. Allez, meurs. Oui, il est décédé. Du coup, moi, je fais tous les petits combats environnants. Est-ce que ce serait la pire plante? Oui. Ah voilà, t'as plus qu'à le faire évoluer maintenant. Use. Noisette. Noisette devient viril. Oui, bah pas par son nom. Hein. C'est clair. Voilà, j'ai mon Tangalis. Voilà. Moi, c'est bon. Mon objectif d'épisode, il est terminé. J'ai mon Pokémon, c'est bon, je vais bien. Il reste qui à faire évoluer encore? Bah, tous les autres. Flobio, combien de temps tu évolues, mon petit? Dans 2 niveaux, donc ça va. Lévi dans 3 niveaux. Gentleman dans 10 niveaux. Bah oui, écoute. Hein. C'est ça de vouloir un type dragon. C'est le retour. Ah, oh, vas-y, un tentacool. Ah, un goélis, pas un tentacool. Non, les goélis, c'est moins chiant. Quand même. Ouais, putain, mais arrêtez avec ces... des trucs. J'en ai marre. Pauvre Amy. J'en ai marre, pourquoi self destruct? C'est bon, c'est bon. Il avait rien. Battez-vous, fait. Bande de lâches, au lieu de vous suicider. Bande de terroristes. Non, mais ils se suicident, c'est des kamikazes. Et en plus de ça, du coup, ils s'en prennent plein la gueule, mes Pokémon. Merde alors, ils ont rien demandé, eux. Bon, la flemme de retourner jusqu'à la ville, je vais soigner au centre météo. Voilà, c'est bien. Venge-le, Gagil. Oh, Gagil niveau 26. Bim. La violence. Gagil, il est trop badass. Take a nap. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il est niveau 25. Ça va, il a rattrapé. Pour la fin d'épisode, moi je dis évolution du starter. Voilà, j'annonce. Ouais, t'annonces, mais si ça se trouve, t'auras pas le temps de le faire. Hein. Mais si. On est à la fois, nous, monsieur. Mais oui, complètement. Alors, ça va, il est niveau 34. Niveau 36, il est plutôt... Enfin, ça passe, quoi. Enfin, ça devrait se faire, ça devrait se jouer. En plus, j'affronte des Pokémon qui sont évolués, donc voilà, quoi. Ça devrait aller relativement vite. C'est ce qu'on dit, ça, c'est ce qu'on dit. Allez, j'ai dépassé la moitié du niveau 34. En un combat. C'est pas trop mal. Ah, toi, je t'ai déjà battu, d'accord. Très bien. Du coup, on va aller voir dans les autres herbes là-bas. Bim! Allez, Drakina niveau 26. Oui! Qu'est-ce qu'elle essaye d'apprendre? Lire! C'est quoi lire? C'est une attaque de merde, ça! Oui, c'est gros yeux!
Oui, on est sûr d'oublier ça, oui. VVVVV. Niveau 26, soit. Et la prochaine, c'est quelque chose comme 31, je crois. Moi, j'ai 26, 25, 26, 28, et je crois que j'ai un 29 qui traîne quelque part dans mon équipe. J'ai 36. Ouais, j'ai un Et après, 29. je crois que j'ai que du 27. Et sauf Lévi qui est 29. Ouais, toi, moi, ils sont à peu près équilibrés, les tiens. Moi, Faut il y que a que. l'équilibrage, hein. Non, ils sont tous équilibrés, les miens. Ouais, j'en ai un niveau 36 par rapport 28, aux j'ai autres. 28, 28, 27, 26, 29, 36. Oui, voilà, fuck un peu Oui, l'équilibrage, hein, bah, quand même. starter en priorité, normal. Bah, moi, mon starter, il est même pas prioritaire, tu vois. Ah, j'avoue, le pauvre, c'est quand même ton premier Pokémon. C'est pas grave. Fuck that shit. Il s'en sort très bien. Par contre, c'est quoi cette arène déjà? Vol. 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 Putain. C'est type vol, c'est quoi déjà? Ah non, c'est bon, c'est Gagil en premier, Bah c'est oui, bon. ça va être pareil chez moi, ça va être Lévi. C'est bien. On va tous leur marafler la face. C'est ça, ils vont quasiment rien nous faire. Si le plus chiant, ça va être le Altaria de la championne. Oh, mais bon, j'ai tout le reste. Ah, le Altaria de la championne, concrètement, t'y vas avec Léviator et son Dracorage, ça devrait aller vite. Eh, mais j'ai un bonbon, j'ai un super bonbon. Donc là, concrètement, j'affronte un pauvre petit Pokémon de merde. Putain, Hermure, c'est chiant ça par contre, un Hermure. Non, t'as ton Galifeu. Oui, c'est pour ça que je suis obligée de changer parce que j'avais Gagil en premier. Ah. Ah Sauf que oui. Galifeu, il a toujours Umber, ça serait bien qu'il trouve autre chose un jour. Non, tu trouveras. La prochaine attaque feu que tu as, c'est Génial! pied Il vient de brûleur. crever! Putain de merde. Il crève pas comme ça. J'en ai marre. Aucun respect. Non, absolument aucun. Et voilà, niveau 35. Et avec le super bonbon que j'ai trouvé tout à l'heure, il va être direct 36. Tu vois que j'ai eu le temps de le faire à la fin de l'épisode. Et voilà les gens. Donc on va s'arrêter sur cette magnifique évolution de Flobio en Lagron. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Au Bye les revoir. gens!